qu'on va se diriger vers la première mission cachée. Enfin, un abonné m'avait dit qu'on pouvait détruire le panneau Yes. J'avais essayé, mais ça n'avait pas marché. Donc là, je vais faire un déplacement. J'ai fait un déplacement par largage aérien. C'est une compétence. Donc en gros, ça te fait ça. Ouais, par contre, ouais, non. Est-ce que là, il y a un hélico? Ah merde. Il n'y a pas d'hélico, ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Bah écoute. Est-ce que je peux prendre le... Bah non, le camion, ça marchera pas. Je vais devoir aller chercher un hélico. Là, il y en a un. Bon, je vais faire directement voyager là. Et puis on va détruire le panneau Yes parce que ça fait partie d'une mission principale. Après, j'ai découvert une autre mission principale dans la région de Face, je crois. Non, de Jacob, oh, je sais plus. Faudra que je regarde. Alors, Nico. Oui, donc je fais plus les missions secondaires avec vous parce que après sinon ça va faire trop d'épisodes, ça va être vraiment très long. Après il y a des missions qui sont cool, par exemple des maisons hantées, ça je vous le partagerai, mais les autres après ça sert à rien que je vous fais voir, je pense. Plus ça marche plus trop les vidéos sur Far Cry, alors. Alors hélicoptère, pour info je m'achète pas des lingots, hein, c'est parce que j'en débloque. Je vais prendre celui-là parce qu'il y a des missiles et tout. Je pense pas que Herc qui monte avec moi c'est une bonne idée. Parce qu'il va tout faire exploser. Ok, donc c'est ici qu'il faut aller. La mission est vraiment bien cachée, hein, parce que en fait ça s'active pas quand tu passes à côté, il faut vraiment bien le détruire. Ok, donc on se retrouve là-bas. Il y a eu un inconvénient, c'est que j'ai percuté un arbre. J'allais réparer mon hélico, mais j'ai oublié que j'ai une compétence que l'hélico se répare tout seul, enfin tous les véhicules. Et ça c'est quand même bizarre. Ça devient trop facile du coup. Changer d'arme? What? Bah ouais, on peut pas dans un hélico. Alors, je sais pas pourquoi j'avais essayé, ça avait pas marché. Peut-être j'ai mal tiré sur le truc. Peut-être j'ai même pas tiré avec un hélico ou un avion. J'ai peut-être tiré avec une mitraillette. C'est sûr que ça aurait pas marché. Oh, tais-toi, Nick. Nick, quand il parle comme ça, j'aime pas. Nick, il est où? Ouais, elle est revenue. Bah, tu sais quoi, je vais les enlever tous les deux. Voilà. Ouais, il est même pas monté avec moi. Hey. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Voilà! Pas question! Détruisez le panneau de pouvoir de loup. Yes. La manière que j'ai dit en plus c'est seul panneau. Je voulais pas faire de blague. Attends, j'ai plus de. Faut que ça se recharge. Je vais pas envoyer des missiles pour ça. Pour faire la. Non. Ah là, c'est un Y. C'est tout. La touche finale. Ah non. La touche finale. Voilà. Je pense pas que... En fait, je pense que je l'ai essayé pendant que John n'y était pas mort. Alors, du coup, ça a pas marché. Je crois que c'était ça. Et du coup, sur la carte, maintenant, il n'y a plus, c'est ça? Hey. Bon, du coup, l'autre mission principale, elle est dans la région de Jacob. C'est bien ça. Alors, on se retrouve tout de suite. Avec la tenue de Far Cry 3 Blood Dragon, enfin une tenue qui ressemble. Voilà. Oméga. J'ai même l'arme aussi qui fait disparaître les gens, mais bon, ça sert à rien, je trouve. Il faut être à proximité d'eux et encore. Je crois qu'en fait ça ramasse juste les corps, si je dis pas de bêtises. Allez, on est bientôt arrivé. Je l'aime trop cet avion-là. C'est pas le meilleur, mais je l'aime trop. Grâce au truc de Clutch Nixon. D'ailleurs, je sais pas si c'est un vrai personnage. Elle est sérieuse. Il faut que je fasse quoi? Ah! Il faut que je t'aide pour ça. Peut-être
T'es bugué ou il faut que t'aides pour ça? J'ai retiré le viseur aussi parce que j'ai mis un viseur sur mon AK-47, mais genre avec le viseur ça fait tout, ça va dans tous les coins, c'est même pas la peine. Voilà. Voilà. Merci des coups de main. Une minute, descends. Ah, j'ai compris, descends, j'allais dire, tu me respectes. Plus mon avion. Attends, il y avait encore un loup, je crois. Il y en a un là. Il y en a encore un quelque part. Et où? Non, lui, je l'ai pris. Ouais. Alors, je suis la croix. Attends, mais... Ah. Non, la croix me dit là. Bon, la croix a bugué. Par contre, il y en a encore un là-bas. Ces bestioles ont surgi de nulle part. Là. Mais what? Je l'ai pris aussi. Bon, il y a un bug. Alors, que voulez-vous, madame? Cette forêt est un piège mortel. Merde. J'ai bien cru que j'allais y rester. Merci de m'avoir aidé. Au fait, moi, c'est Sarah. Sarah Perkins. J'étais à la tête d'une équipe chargée d'étudier les loups du parc, mais... Mais on a... Eh bien, on a trouvé ces choses. Ce sont des loups, mais j'en ai jamais vu de pareil. La secte les appelle des juges. Ils sont plus gros, plus forts et plus résistants. C'est très lisible ton truc, hein. La secte a voulu forcer mon équipe à l'aider. Quand on a refusé, elle a lâché ses choses sur nous. Ellie et les Whitetails m'ont sauvé. Et depuis, je fais tout pour leur envoyer l'ascenseur. Je pensais que les choses se calmeraient avec la mort de Jacob. J'avais tort. J'ai une théorie qui pourrait nous permettre d'utiliser la formule de la secte pour traquer ces créatures. Mais j'ai que des cadavres pour l'étudier. Il me faut un juge vivant. Je sais que je vous demande beaucoup, mais j'ai pas le choix. La secte les dresse dans un vieux camp de vacances, le Breakthrough. Si vous faites ça pour moi, je pourrais concevoir quelque chose pour vous aider à traquer ces bêtes. Je vous rejoindrai au camp quand la voie sera libre. Ok, donc d'après ce qu'elle vient de dire, une fan de loup. Ah. J'ai passé ma vie à essayer de ralentir l'extermination. En gros, en fait, elle a dit après la mort de Jacob. Donc je pense qu'en fait, l'émission se déclenche au fur et à mesure. Et vu que j'ai fini là, le jeu. Enfin, j'ai fini le jeu principal. Enfin, non, là, il y a encore des missions principales, mais vous avez compris. En fait, là, c'est des missions principales, mais secondaires. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris, je pense. J'aurais peut-être pas dû crasher mon avion. Enfin, après, dans des conditions comme ça, je sais pas comment j'aurais pu atterrir. Il y a quelque chose de marqué sur cette croix, non? Eh ben qu'il aille se faire foutre. Ça tombe, il a libéré le pays et tout, et puis là, je suis en train de faire ça. C'est un petit peu loin, mais je vais rester comme ça quand même, au cas où qu'elle parlerait. Il n'y avait pas véhicule, là? Bon, sur la carte, il dit qu'il y a un quad. Voilà, la carte, c'est chiant, parce que du coup, tu sais pas trop où est-ce qu'il est, le quad. C'est quoi avec la tenue qu'on peut pas voir comme enfin avec notre casque du coup tu peux pas tout voir l'environnement. Bon, après pour les tenues c'est le plus important, c'est juste les gants et puis le pull, le t-shirt, enfin les trucs comme ça. Enfin, là c'est pas un t-shirt, c'est un uniforme, mais bon, il y a que ça d'important dans le jeu. Les chaussures, tout ça, tu les vois pas trop. À part quand tu te mets en parachute ou dans l'avion ou en voiture, vite fait. Je veux dire, le pantalon, c'est pas trop important. Enfin, même le truc sur ton ventre, là, le truc rouge qu'on a sur notre uniforme, tu le vois pas trop. Et tu t'en fous un peu. Alors, ici, je crois que c'était un truc que j'avais pas découvert. Allez, on est bientôt arrivé. Ça aurait été vite. Il fait du bruit quand même, le quad, je trouve. Moi je rajoute encore plus de bruit. C'est donc dans ce jeu là il n'y a pas l'exécution à bord de véhicule comme il y avait dans Far Cry 4, Far Cry 36 je crois. T'appuies, hop, et tu rends tu le gars. Toute mon équipe a été enlevée et balancée à ces monstres pour qu'ils s'entraînent. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai failli y passer aussi. Tu le tues et tu prends le véhicule, voilà, j'avais raison de pas vous couper, sinon vous n'avez pas entendu sa phrase. Aucune idée de ce que c'est, mais ça les change en machine de guerre.
Ça doit être la drogue de Face. Ok, un avion, mais bon, on est bientôt arrivé. Lieu découvert, Caribou. C'est que la secte a l'air de pouvoir contrôler ses animaux. Ça paraît fou, je sais, mais j'ai vu les juges suivre les ordres des humains. Ce qui me fait peur en histoire, c'est que je crois pas que les loups soient les seuls à servir de cobayes. Alors, la dernière fois, j'ai même galéré à tuer des caribous pour obtenir des points de compétences. Bon, je pense que je vais me mettre là-haut. Hein. Ah non, j'ai plus mon sniper. Merde, je l'ai pas pris, je crois. Ah, oui, parce que je devais faire un défi, je crois. Ouais, il faut que j'en fasse encore 4. J'avais réussi une fois, mais je suis mort dans la mission après. Une mission secondaire. Alors, moi, je dirais, on va pas en haut parce que ça sert à rien de se mettre en haut avec un arc, ça va être hyper chaud. Alors eux par contre ils résistent super fort, je vais plutôt... Attends, je vais quand même monter pour faire un repérage. En plus ça tombe, il y a quelqu'un en haut. Oh, il n'y a personne, c'est bon. Ça, ça va être galère. Le sniper il va être très très chiant. Ah, si je pourrais faire l'exécution au rebord, ça me fera obtenir un point aussi. Parce que je l'avais fait une fois aussi, mais je suis mort juste après dans une autre mission. Une autre mission secondaire aussi, c'était celle avec Willis. Cet enfoiré qui nous a laissé dans Far Cry 4. Ça va, elle était un peu moins enfoiré. Je vais essayer de l'avoir au rebord. Je vous promets rien. Merde, non, 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 non. T'en supplie. Non, reviens. Ça me l'a compté, ça? Pas du tout. Ça compte pas avec les animaux. Reviens, ce putain de rebord. Reviens ici. Siphon. Allez. Trouvez-moi cette saloperie d'assassin. Oui. J'ai entendu quelque chose là-bas. Oh non, non. Faut mettre la main sur celui qui a fait ça. Je peux pas bouger. Va voir ce que c'était. Bon, ok, ça me saoule. Attends, 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 qu'est-ce qu'il fait lui? J'aimerais bien l'avoir au rebord, ça serait trop bien. Bah écoute, je crois que je vais le tuer directement. Parce qu'il me pète les steaks. Il est super visé. Je préfère faire ça que de me faire repérer. Regarde, je vais dire ça et je vais me faire repérer. Oh merde. Ah c'est bon, ça les tue directement. Il faut encore une élimination, non? Ouais, encore une. Si je meurs pas. Ah merde, j'avais pas vu le caillou. Yes, c'est bon. J'ai reçu le défi. Non, j'ai des points. J'avais pris quoi la dernière fois? Je sais même plus. J'ai pas pris un truc pour moi me faire repérer. Ah, mais ça, c'était avant, je crois. Donc là, je pense que je vais prendre double butin. Oh, je sais pas. Vous pouvez porter plus de munitions de mitraillette. Flèche normale. Vous pouvez recharger arc front plus rapidement. Ouais. Ouais, peut-être ça, allez.
Là, du coup, il reste quoi comme défi? Élimination lance grenade, longue distance, par sabotage. Puis exécution par le bas, exécution au pistolet. Franchement, je vais dire, ça va être facile. Ça dépend. Enfin, là, ça va être chaud vu que j'ai plus d'avant-poste. Ça va être chaud. Ça dépend. Et puis ça dépend aussi, hein, quoi. C'est sécurisé, là. Non. Il n'y a pas d'alarme, j'espère. Non, je crois pas. Arrête, je vais te faire un headshot. Merde. Voilà. Genre. Oh, oh, oh. Une assaut par sabotage. Oh oh, je crois que ça a marché. Ça a marché ou pas? Après, j'ai un peu aidé. Yes, ça a marché. Oh, ça peut être simple, ça peut être simple. Franchement, ça peut être simple. Il y a beaucoup d'ennemis qui viennent nous, hors mission, là, nous faire chier. Franchement, ça va être simple. D'ailleurs, j'ai utilisé un bandage pour rien. Hors vidéo. Hein. Non! Non, non, j'ai pas eu le temps. Merde! Oh non, mais du coup, ça va pas me le compter, les points! Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Putain, quand j'appelle pas mes partenaires, c'est hyper chiant. Franchement, je pense que j'appelle Grace et Cheeseburger. Alors, groupe. Ah, il y a elle aussi. Ouais, mais elle a fait 7, elle, Grace... Écoute, je vais prendre elle quand même. Bougez pas de là. J'arrive tout de suite. Je change de place. J'ai envie de rester là, comme ça je vais essayer de faire l'autre à l'exécution au rebord. Là. Il est au rebord ou pas? Pas exactement. Je vais devoir reprendre mes flèches parce que regardez. Génial, ça ne l'a pas remis. Non, mais je t'ai dit d'aller là-bas, putain. Là. Elle me dit, hey, salut, là-bas. Redescends, allez. Zou. J'ai vu du mouvement, attends. Non, c'est bon. Il y en a qui doivent se cacher derrière la maison et tout, mais là je peux rien faire. Reste là, toi là-bas. Oh, s'il reste là-bas, c'est génial. Je peux pas. Ah, j'ai pas pu. C'est truqué. Il est bugué lui ou quoi? Il est putain de bugué. Hein. Ouais, là c'est le moment d'attaquer. Ah, je crois qu'ils attaquaient directement. Je sais pas. Arrête de bouger. C'est bon, j'ai reçu la compétence. Oh, non.
Ils arrivent quand là avec leur véhicule? On va exploser ça là-bas au cas où. Cheeseburger ? Ça aurait été plus vite là. Cheeseburger ? Mais putain, il résiste pas. Bon, tu sais quoi, allez hop. Merde! Je sais pas, j'ai dit d'aller là-dedans, mais. Mais l'autre, elle est en train de faire de la pub pour Grace alors que c'est elle. Elle dit Grace, elle fait bien que son fusil et tout. L'autre, il est où? Ouais, il y avait un truc là en plus. Ah! Ok, ouvrez la porte qu'on puisse commencer. Votre acolyte a la gâchette facile. Il vaudrait peut-être mieux y aller en solo. Solo. Attends, il y avait encore des corps. Oh, lui, il l'a bien bouffé, j'espère. À mon avis, oui. Il y avait une caisse, là. Enfin, je crois. Il y a encore quelques corps. Là. Et tu en as encore plein. Après là, c'est lui, je crois, non? J'ai vu pas mal de juges dans lui, le coin. Lui. Attention. Ah, cool. Où est-ce qu'ils sont, les autres? Ah, là. On sait jamais sur quoi on peut tomber. J'ai déjà pris, lui. Pardon, hein, c'est pas contre toi, mais t'es pas sur un corps là. Bon, alors en fait, il est en haut. Ouah, t'as m'a fait peur. Je crois que c'était un mec qui était pas encore mort. Me dit qu'il te plaque, comment ça? Eh bah, bug. Désolé, mon gros, j'essaie de vérifier. Bah écoute, je sais pas. Maintenant la meilleure partie. Attirez-en à l'intérieur. Je vois aucun juge d'ici. On doit trouver un moyen d'évacuer. La cloche est jouée. Ramassez le cadavre d'un dresseur et placez-le dans la mangeoire. C'est pas le bien, vous verrez. Dès qu'on sonne, ils accourent. On va pas laisser ça ici. Appétissant. Et moi si je suis dans le mangeoir. Oh, oh non. Tiens, je ferme la porte à Grace. Après, il faut que j'interagisse, non? Voilà. Vous l'avez vu. Ok, ok. Descends voir ça de plus près. J'étais pas sûr que vous y arriveriez. Mais vous l'avez fait. Oh, regardez-moi ça. Bon, en fait, je crois que c'est des bugs que je peux pas les fouiller là. Moi, qu'il y en a qui sont sur des pierres ou quoi que ce soit, mais non, même pas. Bon, du coup, l'autre, la docteur, là, elle va descendre de son toit là, qui a tout cramé. Il a inhalé quelque chose. Je sais pas comment vous remercier. Avec cette bête. T'as un peu bugué, toi, non? Pour synthétiser une formule. Tenez, prenez cet échantillon test. Ça devrait vous aider à chasser ces créatures. Stimulant. Ah ouais, j'en avais déjà fabriqué avant. Par contre, c'est rare à trouver ça. Du calme. Du calme. Vous croyez que les choses vont s'améliorer? Une journée de souffrance qui en chasse une autre. Merde. Ah, je peux pas rentrer, merde. Eh, hey, je veux ton corps.
Je m'en bats les steaks, je veux ton corps en fait. Donc tu me laisses rentrer. Bon bah de toute façon c'était un méchant donc il fallait le tuer quand même. Bon bah je crois que c'est la fin de ces missions principales. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis ciao tout le monde. Oh ça marche !